Maintenant, libre comme l'air. Nous sommes libres comme l'air. Il n'y a pas de loi ni de travail ici. Nous vivons sur des arbres verts, dans un village tranquille et écologique aussi. Chacun fait ce qu'il veut, sans être misérable. Une vie sans argent, ça nous rend plus intelligents. Une philosophie si naturelle, ça nous rend plus exceptionnels. La joie de vivre n'a jamais été aussi intense. On vit plus dans le silence. Les sentiments du cœur sont plus purs et il n'y a plus de rupture. Le stress n'existe plus, la galère n'y est plus, les pauvres c'est fini, et les riches aussi. On est libre comme l'air, ça nous donne des ailes, c'est voir la vie en vert, comme des colombes dans le ciel. Qu'on soit religieux ou non, on se serre la main, toutes les cultures sont là pour nous rassembler, nos rêves se réalisent en restant sereins. Avec dignité, égalité, solidarité et fraternité. Sur cette terre, les animaux sont là. Plus de maltraitance envers les animaux là-bas. On leur donne de l'amour pour bien les occuper. Plus de violence, on leur doit bien du respect. On est devenu respectueux de la nature, puis on a inventé une nouvelle culture. C'est durable, où il y a un bel avenir pour les enfants. Un jour, on sera
libre comme l'air, ça nous donnera des ailes pour voir la vie en vert, comme des colombes dans le ciel. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'était libre comme l'air. Alors, un petit Dieu. Phrase que j'ai écrit, que j'ai eu dans la tête, hein. Je pense que beaucoup ont plus ou moins entendu ce genre de discours. Un jour on naît, on grandit, une fois grandi on mûrit, une fois mûr on vieillit, puis un jour on perd la vie, et oui, la vie est pourrie. Mais en attendant, avant de mourir, je continue à vivre, rire et écrire. Voilà. C'était pas trop mal. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc ça, c'est cool. Dans mes archives, mais des anciens textes, hein. Enfin de mes anciens textes, hein, que je peux vous raconter. C'est ma voix, c'est hilarante. Dans la nuit, une petite fille se réveille. Elle a peur. Elle entend des bruits de feuilles. Dans le jardin, elle voit des petits monstres. Prise de panique, elle retourne dans sa chambre. Elle se cache sous sa couverture. Pourquoi ces idées sont si obscures? Et le fruit de son imagination, pourquoi son cœur est sur haute tension. Des petits monstres sur la terre se dévoilent, ces créatures inconnues venues du sol. Si la fille les voit, elle en serait folle, tellement horribles ces monstres pleins de poils. Minuit a déjà sonné et c'est le mal qui arrive vers elle, et ça sera fatal, ou pas. Elle se lève en courant, et hop, qu'est-ce qui lui arrive à cette fille, dis donc, elle est devenue très forte et au top, bien et décidée à se battre, et elle file, maintenant, ça y est, sont face à elle. Un combat commence par des coups de poing, les coups de poing, puis des coups de pied avec deux grosses semelles.
très fière de ce qu'elle a fait. Enfin, ses angoisses meurent. Voilà, petit texte que j'ai écrit il y a un petit, oh, il y a un petit moment déjà. Ah là 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 là, il y a plein de textes que j'ai écrits mais qui sont inachevés. Que j'ai commencé à écrire mais qui sont, mais beaucoup sont inachevés. Ça me fait rappeler le fameux titre des casseurs flotteurs, inachevé. Bah, je suis un petit peu comme ça, moi je fais des choses un peu inachevées aussi, ça m'arrive. Enfin voilà, mais bon, ça viendra, je finirai bien un jour avec le temps de tout finir. En attendant, je vous fais partager mes petits textes sympathiques, poésie, poème, appelez ça comme vous voulez. Moi j'ai mes mots, j'ai ma façon de m'exprimer, d'écrire, etc., etc. Donc si vous avez aimé, bah, j'en serai très reconnaissant vis-à-vis de vous et de vos critiques, de vos likes, etc., etc. Voilà, c'était encore une fois une nouvelle vidéo ASMR avec de nouvelles récitations de mes poèmes. Et là c'est exclusivement mes poèmes, c'est pas une récitation de poèmes, poésie ou texte d'artistes déjà plus ou moins connus, qui a déjà été écrit par d'autres artistes. Ça c'est exclusivement moi qui les ai écrits, quoi. Écrit tout simplement les textes. Voilà. De mon texte que j'ai écrit il y a un petit moment déjà. Je vais vous réciter un texte pour tout simplement vous détendre en version ASMR, et c'est un texte pour l'anticrise, on va dire contre la crise en fait, sur mes ressentis actuellement. Mais c'est un texte que j'ai écrit il y a un petit moment déjà, mais que c'est toujours d'actualité bien sûr. Bon, et ben je vais vous le lire. Encore la crise économique, sociale et environnementale. Encore la guerre, riche contre pauvre, nationaliste contre chose, trop de haine entre nous. C'est la totale. Je veux calmer tout le monde, mais j'y arrive pas. C'est pas vrai. Merde, les gens, black, blanc, beurre, jaune, rouge, ça va pas. Avons-nous perdu la raison? Notre haine, nos peurs, nos malheurs font perdre la foi. Avons-nous perdu notre civilisation? Le monde ne sera jamais en paix, et ça, tout le monde le sait. Le changement ne viendra que par le peuple. Le changement viendra par la consommation. Le changement ne viendra pas que par la politique. Et le changement commence par l'éducation. Tu vois, aux infos, l'économie actuelle, elle est en panne et c'est réel. Plus se permettre de détruire, car ce n'est pas ça l'avenir. Notre avenir n'est pas à vendre. Je veux pas un avenir suicidaire, je voudrais un avenir solidaire. Faut préparer l'avenir plutôt que de le prévoir. Ne soyons pas trop pessimistes, car ça nous aide pas à avancer. Défendez vos idées pour un peu d'optimisme, vers les bons choix pour mieux réaliser. Je peux comprendre tes angoisses, mais ne reste pas enfermé chez toi. Trouve-toi une raison d'être pour une fois, sans regarder tes complexes dans une glace. Moi aussi j'ai un côté obscur et je suis seul face à lui. Comme je
sais que je vais pas vraiment mieux, donc j'évite un peu de faire la morale. Mais s'il faut changer les choses, côté social, il faut pas espérer, il faut travailler ensemble. La crise est bien dans la tête. Retrouvons l'humanité en nous. Cherchons des solutions partout, car il ne suffit pas de faire la fête. Il faut vivre pleinement, mais réfléchir dorénavant. Arrêtons de nous diviser, franchement. Le peuple peut construire le changement. Le changement, c'est bien nous. Et on a besoin de vous. Nous sommes les acteurs de l'anticrise. N'écoutons pas trop les médias et la télé. Sortir, parler, inspirer et créer comme des artistes. Le pessimisme tue comme votre volonté. Nous avons tous un rôle à jouer comme des utopistes. Aidons-nous à réaliser ces anticrises. Rémanime, écrit par Rémanime, c'est-à-dire moi. Voilà mon texte. Bon, ça manque de profondeur, moi personnellement, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est un texte que j'ai écrit un petit moment déjà, alors bon, bah c'est normal, voilà. C'est assez simple, mais au moins, on sait ce que ça veut dire, en tout cas. On comprend vous comprenez le message, en tout cas. Et c'est mieux de le dire en ASMR que de crier, que de le lire en criant, quoi. Pareil, c'est toujours plus détendu, quoi. Donc, vous pouvez toujours me dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de mon texte? De mon petit texte? De ma poésie sur l'anti... Qui a comme titre Anticrise. Avec ce petit chuchotement, avec ces chuchotements, voilà. Et on aura d'autres, des petits ASMR comme ça où je suis en train de réciter. Mais des poésies, que ça soit écrit par moi ou par un autre artiste, de toute façon, je vous le dirai. Si c'est moi ou un autre artiste qui l'a écrit. Voilà. Au moins, vous êtes au courant.